On a quelqu'un qui revient du royaume des morts, puis on aimerait ça l'accueillir. Mademoiselle Marguerite. Yeah! Wouh! Hey, t'as une ça. Donne-y à une. Salut Marguerite, ça va bien? Yann, il faut que tu lui donnes ton micro. Excusez, c'est la première fois qu'on reçoit des gens comme ça à notre émission, tu sais. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. Fait que les petites pilules, c'est pour quoi au juste ça? C'est pour pas manger les humains. Parce qu'il paraît qu'il faut pas manger les humains. Ben, c'est sûr qu'entre humains, on essaie de pas se manger, mais quand on est un peu comme vous, là, il faut. Ça, peut-être que ça dérange pas. On aime manger. On est gourmands, les zombies. C'est comme ça, c'est nature. Fait que aussi, j'aime ça manger. Les petites pilules rouges que tu m'as données, ben ça, c'est pour diminuer ma consommation d'humains. Ah ouais. Mais là, les petites pilules rouges comme ça, là, si on en veut plus, il faut qu'on les trouve où, ces petites pilules-là? Ben, à l'urgence. Écoute, j'ai plein d'amis là-bas, là. Il y a d'autres zombies, il y a des petits vieux, des petits jeunes, des aveugles. Puis là, on fait la file, on jase, puis on échange des pilules. Puis là, l'infirmière, elle nous regarde, puis elle dit, ben là, il faut prendre des pilules, là, dans votre état, il faut prendre des pilules. Fait que là, moi, je prends mes pilules. Ah ouais, puis est-ce que vous en avez plus qu'une sorte de pilule ou? J'ai les pilules jaunes aussi. Ça, c'est les pilules pour le système coagulaire. T'sais, parce que quand on prend les pilules rouges, le sang devient plus clair. Fait que là, il faut prendre les pilules jaunes. Ça l'aide à coaguler. Puis là, je fais des belles gales comme ça. Mais là, quand on est zombie, là, les gales, est-ce que ça nous pique puis il faut qu'on les gratte là, jusqu'à temps que ça saigne? Non, ça coule. Ça coule. Faut juste éponger. Il faut prendre sa douche. Ou se jeter sur des humains puis les rendre pleins de sang? Non, les humains, ça, on les mange. On les salit pas. On les libère de leur vie d'humain. Mais il faut pas dire des choses comme ça. Prenez vos pilules, là, Marguerite. Là. Vous allez voir là, les petites tentations. C'est supposé partir. Mais j'ai aussi les pilules blanches. Ça, c'est pour la mauvaise haleine. Parce que quand on est zombie, c'est un maudit problème. Le monde, il se lave pas. Il pue. Fait que là, il faut les petites pilules blanches. Ah ouais, les petites pilules blanches. Puis moi, si j'ai envie de manger des humains, puis si... Quand on fait des problèmes de caillots, c'est ceux-là? Pas d'humains, les caillots, la laine, puis vous avez aussi... Ça, c'est du concentré d'humains. C'est du petit jus qui a macéré d'humains moisis que je ramasse chez nous, dans le trou juste à côté ici. Là. J'habite là. Dans votre trou d'humains? Je récolte les cadavres qui sont enterrés. Sherbrooke, là, c'est plein de meurtres. Le building qu'ils ont démoli, c'était pour faire un trou pour remplir les cadavres, finalement. Mais oui, les cimetières, ça coûte cher, là. Payer l'incinération, puis tout ça, c'est bien mieux d'y aller avec l'enterrement. En dessous de la brique, c'est des humains. Je pense bien que oui, dans la terre aussi, puis pensez dans le toit même. Pensez-y, monsieur. Dans le toit? Je suis déjà allé dans ce toit-là. Je peux aller jusqu'au fond, là, mais je suis déjà allé. Est-ce que t'as eu peur? Un petit peu, parce que quand tu piles à côté du beam, ben, ça fait toujours peur. Hein? Je vais prendre une petite pilule rouge. Mais là, Marguerite, là, qu'est-ce qu'ils disent sur les zombies? Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qu'ils disent, ces zombies, qu'on mange tout le monde, puis qu'on pue, puis qu'on peut nous tirer dessus? Ouais, ben mais... oui, c'est vrai, ça. L'affaire de pas de tête, il est mort, une tête, il est pas mort. Ça, c'est vrai? Je voulais poser la question là-dessus. C'est complexe. Écoute, un zombie, ça a une tête, ça, c'est sûr. Fait que je peux pas en dire plus. Puis, si jamais il y avait une attaque de zombies là, bientôt, là, qu'est-ce qu'on ferait? Ça serait quoi le meilleur
la meilleure défense. Parce qu'on n'a pas de gun, là. Les petites pilules rouges. Parle pour toi. Ah, c'est vrai, excuse. Moi, j'ai pas de gun. Faut que tu prennes des petites pilules rouges. Un jour, tout le monde va être zombie, là. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils veulent nous tuer, mais c'est refuser l'avenir, cela, là. Les zombies, c'est l'avenir. Puis si on leur donne des petites pilules bleues, est-ce qu'ils courent plus vite? Ah, je connais pas les pilules bleues. Peut-être que si on mélange les deux... Mais moi, je vais vous dire, là... Tu m'as pas parlé, là, de Sherbrooke. Moi, je suis un zombie international. Je me suis promenée partout, puis je suis ici à Sherbrooke. Parce que les gens, ils sont tendres. Mais moi, j'ai une question sur Sherbrooke. Si, là, il y avait un zombie, le zombie le plus populaire de Sherbrooke, ça serait qui? Ce serait celui qui aurait mangé le plus d'humains. C'est sûr qu'il y a une compétition, là. Tout zombie veut manger le plus de monde. Puis est-ce qu'il fait « bouh »? Non, 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 il fait... On n'en voit pas beaucoup quand même, hein, des zombies. Ça se tient où, des zombies, à Sherbrooke? Ça se tient où est-ce qu'il fait noir? Puis on n'en voit pas beaucoup parce que ceux qui en ont vu sont zombies à leur tour, tu comprends? Tu peux pas vaincre un zombie. Mais ça, ça fait pas un effet boule de neige puis il serait supposé avoir plus de zombies que pas de zombies? Ben c'est exactement ça, t'as tout compris. En dessous de la terre de Sherbrooke, dans le town, ils se cachent des millions de zombies. C'est parce qu'ils aiment pas avoir froid, hein, c'est ça? Ah non, les zombies, on sent pas le froid ni le chaud. L'alcool, pour nous, là, c'est comme de l'eau. De l'alcool, c'est du combien de pourcents, ça? À quel degré? J'ai pas mes lunettes. Est-ce que tu veux voir pour moi? Ça, c'est du 70. Du vrai 70, là. Ils vendent même pas ça ailleurs qu'à la pharmacie. Puis qu'est-ce qu'il y a de bien quand on est zombie aussi, c'est que... Tu sais, on fait la file d'attente pour le fun, là, mais dans le fond, on peut se servir nous-mêmes, là. On a juste à attaquer la personne derrière le comptoir, puis à tout prendre, là. Puis de toute façon, les petits vieux, ils ont même pas peur de vous, hein, parce que vous parlez pareil comme eux, puis vous vous déplacez à la même vitesse. Mais on a un point en commun, les pilules! Écoute! C'est vrai. Les pilules. Ouais, mais moi, on m'a dit là, que si c'était pas la même forme que votre pilule rouge, ça fonctionnait pas. Tu sais, parce que s'il y a bien une affaire que le monde sont fort, c'est il faut que ce soit à bonne forme. Hein. Oh! Est-ce que tu m'en donnes une petite pilule? Ça, c'est le... Ça, c'est pour que tu coagules, fait que je vais pouvoir te manger bien plus lentement. Tu meurs pas trop vite. C'est pas la première fois que j'en prends celle-là, d'ailleurs. Une petite pilule pour coaguler, mon Yann? Pas Chris, oui. Coagulons. Ils sont bonnes, c'est ça bonnes, que j'essaie pilules. De faire, ici, là. Fait que... tu coagules en tabouette. C'est pire. Je t'en donne une pour la laine, tiens. Est-ce que tu veux aussi un petit peu de jus de zombie? D'humain, excuse. Mais là, toutes ces questions-là, ça me donne envie de manger des humains. Je suis mieux de... On est mieux de passer une capsule pour pas voir ça en onde, hein, c'est ça? Parce que... Je pense que oui, là. C'est pas 18 ans et plus, là. C'est PG ou PG-13, ici? On s'en tabarnak! C'est ça! Fait qu'on va mettre une petite capsule en attendant qu'on mange les humains.